le sujet numéro un qui ressort, c'est en savoir la difficulté à trouver les compétences. En partie, pour une bonne nouvelle, c'est que le taux de chômage est plus bas que la moyenne nationale. Il est de 6,6% au lieu de 8,8%, ce qui est une bonne nouvelle. Et aussi, parce qu'il y a une dynamique d'emploi, il y a des perspectives d'embauche très importantes. Mais du coup, les entreprises se retrouvent avec une difficulté à trouver sur le marché du travail les compétences. Et donc, il y a des solutions pour ça. Dans la loi Avenir Professionnel, on développe massivement l'apprentissage. Les entrepreneurs sont prêts à le faire. Il faut bâtir ces compétences, on ne va pas les trouver comme ça dans l'air, il faut les construire. Ce matin, j'ai signé dans l'Ain, mais pour la région, le plan d'investissement dans les compétences où l'État va apporter 632 millions d'euros pour former 210 000 demandeurs d'emploi et jeunes à tous les métiers dits en tension, tous les besoins des entreprises. Donc il faut travailler sur tous ces sujets. On a parlé aussi de travail saisonnier, des difficultés de rétention. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un dialogue très concret, très opérationnel sur comment on peut développer ces compétences pour que à la fois les entreprises trouvent les moyens de se développer grâce aux compétences qu'elles recrutent, mais aussi qu'il y ait beaucoup plus de jeunes et de demandeurs d'emploi qui, du coup, aient la chance d'accéder à l'emploi.